C'est un honneur d'abord d'abriter ce championnat de Cheikha Fatma bint Mohammed. C'est un honneur et aussi c'est une marque de considération des relations exemplaires entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc. Donc il va y avoir une sorte d'expérience parce que vous savez c'est un sport qui se base sur les techniques. Il se base aussi sur la maîtrise psychique, puisque souvent les grands athlètes dans ce sport, la séparation entre le premier ou le deuxième, ça se joue sur un seul plateau, un seul. C'est vous dire toute la combinaison qu'il faut avoir, d'abord la maîtrise des techniques, mais en même temps la maîtrise de l'aspect psychique à travers ces expériences. Donc cette expérience que nous menons aujourd'hui, elle répond à cette problématique importante. Et en dernier lieu, nous voulons que ce sport soit accessible aux athlètes féminines. Et nous avons au Maroc 3 athlètes qui vont participer parmi ces 40 athlètes, sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir, parce que nous avons tout ce qu'il faut maintenant. Nous avons les clubs, une quinzaine de clubs qui sont que la Fédération Royale Marocaine de tir sportif a équipé avec toutes les spécifications internationales. Nous avons la logistique, nous avons les moyens pour essayer de faire un calendrier qui permet justement d'organiser ce sport. Et en dernier lieu, nous avons surtout l'encadrement technique. Nous venons depuis 3 jours d'avoir les services d'un entraîneur qui est connu, M. Gasperini, un Italien. L'Italie est aux premières loges de ce sport. Et lui-même donc a conduit l'équipe de Croatie en 2012, qui a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2012 et la médaille d'or en 2016, toujours avec la Croatie. Donc nous espérons qu'il va rééditer ses exploits avec l'équipe marocaine pour essayer d'avoir donc des athlètes d'envergure et de niveau international. شكر للمملكة المغربية على دورهم في واهتمامهم بهذه البطولة ما في شك اليوم أنها البطولة هذه تأخذ اهتمام كبير من المملكة المغربية وإحنا اليوم بصفة العلاقة المتميزة أيضا بيننا وبين اللي فوق متميزة بيننا وبين المملكة المغربية وكذلك يعني اليوم هذه البطولة مشاركة فيها كبيرة في أكثر من 11 دولة وأكثر من 40 رامية نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم جميعا بإذن الله والآن حضر سيدات السادة مشاهدون دولة كندا ومن بعدها روسيا الاتحادية ميشانو روسي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الايطالي للرمايه السيدات والساده الحضور الاخوات المشاركات انه لمن دواعي سرورنا ان نلتقي اليوم في المملكه المغربيه في جوله مراكش الختاميه لتكون مسك الختام الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس المجلس الأعلى للأمم المتحدة وأن النجاحات التي تحققت تجسد الرؤية ونحن من أشكر الشعب المغربي على حسن الضيافة طبعا وهي مشاركتنا لبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات نوجه لها جزيل الشكر وأتمنى التوفيق لجميع الراميات إن شاء الله فأجدد لكم إن شاء الله بإذن الله أول مرة أجي المغرب أصلاً بس يعني تجربات حلوة قوي ميرسي جداً اللي استضفتنا هنا كل الأهداف التي هم بحضرها طبعاً أول شيء نشكر الشيخة فاطمة أنها فتحت لنا مجال الكريم مجال نتعرف على خواتنا من جميع أنحاء العالم
من مدينة مراكش. نشكرها على دعمها الدائم للرياضات.